C'est la première fois dans l'histoire du Grand Prix des Nations qu'un cheval remporte trois fois ces mythiques courses. Vivid-wise, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Mais ouais. La première année, on avait le numéro 5. Il y a deux ans, on avait le 4. Cette année, le 3. Donc à chaque fois, on avait un meilleur numéro. Et le cheval a été merveilleux. Une fois de plus, l'année dernière, on avait couru caché. Et là, on a démarré très fort. Et après, une fois que j'ai pris les commandes de la course, je ne me suis pas fait attaquer. Il y a Romain Dorieux qui est venu à un tour de l'arrivée au coup de frein. Et puis on a toujours été en progression, mais j'avais énormément de gaz. Donc le cheval était vraiment merveilleux. La tactique gagnante, c'est démarrer très vite et aller devant. Je voulais contrer Capitaine Mail aujourd'hui. Je voulais vraiment pas le laisser faire et c'est le temps dedans de lui. Et après, Gabi aussitôt, il a repris. Et là, c'est devenu beaucoup plus facile. Donc on a toujours été en progression, mais le cheval, il demandait vraiment à foncer. Donc non, c'est top. Aujourd'hui, il courait encore une fois plus chez lui. Il n'avait pas de route, la piste était plus souple que la dernière fois ce qu'on a pu avoir à Stockholm et à New York, donc il était en plus à son aise. Merci.